Ah, c'est pas la même. Je viens de terminer le tournage de Whipout 97. Et j'enchaîne directement avec celui-ci. C'est vachement plus oppressant au niveau du générique là. T'as un petit son sur un des vaisseaux qui se reforme après une explosion sur des marques et toujours avec ce fond. Il y a un moment j'étais comme ça. C'est limite malaisant ce son oppressant. C'est pas la même ambiance que le précédent. Je sais pas si c'est PlayStation qui se prenait plus au sérieux, mais attendez, on va mettre en grand, vous allez voir. Je ne sais pas si c'était les jeux de l'époque qui se prenaient plus au sérieux. Mais ça fait penser à Ridge Racer 4. Il y avait eu Ridge Racer 2, Ridge Racer 3, Révolution. Et qui était très dynamique, très coloré, très péchu. Et après, il y a eu Ridge Racer 4. Qui avait des couleurs beaucoup plus ternes, qui se prenaient beaucoup plus au sérieux. Qui était très bien, je ne dis pas que c'était pas bien. Mais c'était juste plus sérieux. Et là, j'ai l'impression que ça fait un peu pareil. Regardez le menu. Qui est beaucoup plus triste et ça bouge pas comme vous pouvez voir sur Whipout 2097. Je trouve le menu beaucoup plus sérieux. Regardez, voilà, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve. Et là, c'est la sélection de la course. Il y a même, on sait même plus ce qu'on va faire comme parcours. On ne peut pas voir la piste, ok. Et même les vaisseaux. Avant, on avait des vaisseaux qui tournaient. Et là, c'est vachement plus terne. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve ça beaucoup plus terne. On dirait du pixel art. Bon, à l'époque, il y avait le pixel art, c'est que on n'en parlait pas. C'est plus maintenant qu'on en parle, mais parce qu'à l'époque, on faisait avec les pixels parce qu'on avait des pixels. Mais là, on voit vu du dessus. Je vais prendre celui-ci parce que je trouve joli. Le jeu, par contre, est un peu plus fin. Ça se voit tout de suite. Et je sais pas faire les super démarrages. Le jeu est un peu plus fin. Ça, y a pas à dire. On voit qu'il maîtrise mieux la PlayStation. C'est un peu plus clair. Oh, par contre, ça rebondit toujours aussi bien. Bah, la musique, elle est c'est de l'électro. Mais c'est calme, en fait. Vous avez vu, ça va vite. On est à 240 km/h, monsieur, ça va vite. Ferme les yeux, dis 240 km/h, tu verras que ça va aller vite. Oh, ça rebondit en prenant les autotamponneuses. Je trouve qu'il y a peut-être moins d'ambiance que dans le précédent. Ça va moins vite, alors peut-être parce que j'ai pris un vaisseau aussi qui va pas très vite, mais j'ai l'impression que ça va un peu moins vite. Par contre, voilà, des petits détails comme les oiseaux, tout comme ça, c'est ce qu'on n'avait pas dans le précédent. On voit qu'il maîtrise un peu mieux. Ah, y a du truc dans la gueule. On voit qu'il maîtrise un peu plus la console, c'est sûr et certain. Oh, je me suis fait péter la gueule. Ah, heureusement, j'avais pris l'autopilote. Au même moment que je me suis explosé la gueule, sauvé. On tout le monde se percute. Les vaisseaux sont très beaux. J'ai toujours trouvé que les vaisseaux de Whipout, peu importe le Whipout, sont toujours été très beaux. Ouais, bah j'ai pas eu la sensation de vitesse. Ah, je pense que ça c'est les. Je pense que c'est la difficulté facile, moyen et difficile. Je tente difficile pour voir. Allez, alors, ça va être la même. Là, ça va aller vite. Je le sens. Oh, ça va aller vite. Ça va vite. Oui, déjà tout de suite, ça va plus vite. Ah là, oui, là, la sensation elle y est. Là, c'est Whipout. Là, on y est. Là, ça part en tous les sens. Là, tu te tapes tout dans la gueule. Aïe. Beaucoup, beaucoup plus vite. Oh là, ça rebondit surtout beaucoup plus. Waouh. Alors là, je peux drifter. Ça y est, là, je vais tellement vite que je peux drifter. Brrr. Aïe, par contre, le jeu d'un coup est beaucoup plus dur. Ça équivaut, à mon avis, aux 50, 100 et 150 cm3 de Mario Kart. Oh la vache, je suis sorti du jeu. J'ai réussi à sortir du jeu. Comment c'est possible? Ah, oh, mais ça drifte beaucoup trop, là. Là, ça drifte bien. Hop. Mais c'est... Ça se joue. Le jeu est quand même beau. On est sur PlayStation et encore maintenant, je trouve que c'est un beau jeu. Ça se joue très très bien, même encore actuellement. Je suis pas choqué par les graphismes, en fait, quand je joue. J'ai pas en train de me dire, oh, le jeu il est moche, c'est injouable, ça ressemble à rien, t'arrives même pas à savoir à quoi ce que tu regardes. Non, c'est propre. Je suis même surpris de la propreté du jeu. Alors là, il est obligé de tuer les points, je vais bloquer la route avec mes mines. Je suis 6ème, c'est nul à chier. Oh, je me tape tout, c'est terrible, je suis nul. Eh ben, ça va beaucoup plus vite. C'est le mode hard. Je vais rester en moyen, on va tester un autre vaisseau, on va prendre celui-ci. 2, 1, go!
Il est moche ce vaisseau, on dirait une vieille benne. Pas très très joli. Trop rectiligne pour mes petits yeux. Ouais, et ben je suis en moyen et pourtant où sont passés mes adversaires? Je les ai perdus. Wop! Ils doivent être quelque part mais je sais pas où. Ah, le voilà. Pour un mode moyen, ils speed les mecs. Je balance des mines mais je suis le dernier, donc ça sert pas à grand chose. Allez, poussez-vous, mais poussez-vous! Je passe. Oh, respectez mon autorité. Laissez-moi une arme, laissez-moi une arme! À quoi ça sert? Je suis invisible? Je peux pas me faire toucher par les missiles. Par contre, je peux me faire toucher par les mecs. Oh, il y a des raccourcis! Bah, de tous les vaisseaux, celui-ci, c'est le moins joli, je trouve. Il est pas très classe, trop rectiligne. Je suis toujours invisible. Je crois que c'est comme dans le jeu. Je suis tellement mauvais que je reste invisible. Hop, hop. Mais pousse-toi, tu vois bien, je prends des accélérations de fou! Ouah, dis, pousse-toi! Mais ça me tire à rien, tes boucliers! Donne-moi des armes! Donne-moi des vraies armes! Voilà, des armes qui. Je peux pas tirer. J'ai interdiction de tirer apparemment. Bise bien. Oh, mais je me suis pris mes propres tirs, on est d'accord? J'ai l'impression je les ai rattrapés, j'ai rattrapé mes missiles. Ça, j'adore. Pour moi, c'est la meilleure arme, c'est celle-ci parce que je la trouve trop fun. Mais Star Wars n'avait rien inventé, hein, les poses de pod étaient déjà là. On est là en train de dire ouais, Star Wars et poses de pod, c'est trop cool. Mais joue à Whip Out, tu verras, ça c'est cool. Des mines. Alors, si j'avais dû passer devant, c'est stylé. Ça, je pense tout dans la gueule à ces salopards. Mais pousse-toi, laisse-moi te doubler. Allez. Maintenant. Ah, il s'est tout pris. Aïe, 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 aïe. Et bah, je suis en moyen et pour autant, je reste en fin de liste. Enfin, en fin de liste, je suis quatrième, c'est pas non plus dernier, mais je n'arrive pas à récupérer, à rattraper les autres. Ah, tiens. Ah, merde, c'est ça, d'accord, c'est pour reprendre de la vie. Merde. J'avais pas compris. Vas-y, tire, hein. Attention, ils sont déjà partis bien bien loin. Allez, on teste ce dernier vaisseau, ils sont tous les avoir testés. Bon, en tout cas, le jeu est fun, mais pour autant, bah, mon affect, il va pour le 2097, forcément. Même pour l'accélération, je trouve la barre d'accélération plus jolie sur le 2097. Le hub, je trouve plus joli sur 2097. Là, je trouve un petit peu terne. Hop, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive, voyons? Hop, 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 j'ai tout bouffé. Aïe, je glisse, je suis un savon. je suis une savonnette. Et c'est bon, j'avais plus de facilité en hard qu'en moyen. J'arrive pas à les rattraper. Hein. Bon, d'un côté aussi, je me paye tous les murs, donc il y a peut-être une explication à tout cela. Ah, moi, je dois être tout seul sur cette course, je ne croise personne. Ils mettent 12 concurrents, mais en fait, non, je suis tout seul, les autres, ils ont oublié de partir. Alors, prenons à gauche, on va changer un peu de chemin. Aïe. Oula, y'a quelqu'un devant. Y'a quelqu'un devant. Je suis pas tout seul. Et attends-moi copain. Mais non, mais je veux pas te faire de mal. C'était, j'ai pas fait exprès, je te jure. Je veux juste pas être tout seul. Aïe, 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 aïe. Aïe. Oh, ça j'adore. Le fait de balancer des murs. Par contre, ma barre de vie, j'y prête pas du tout attention. Oh, j'ai pas pris le bon chemin. Je n'y prête pas du tout attention dans celui-ci. Je trouve qu'elle ressort moins que dans le 2097. Même les musiques, je trouve moins fun les musiques. Ouais, mon affect, il restera pour le 2097. Et ben, une petite vidéo parce que j'ai pas grand chose de plus à dire. Je comprends pourquoi le 3 a beaucoup fait parler de lui, mais je le trouve beaucoup plus terne. L'ambiance, elle y est moins. C'est moins fun. Je trouve ça moins fun que le 2097. Donc, mon affect restera toujours pour le même, celui de mon enfance, parce que si c'est dans mon enfant, c'est que c'est mieux. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous, j'espère que ça vous a plu, comme toujours, là, il n'y a plus personne déjà, tout le monde est parti. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui mettront un gros pouce bleu et qui s'abonneront, qui parleront de la chaîne, c'est énorme, merci à vous. Des bisous, bonne journée, profitez de la vie, jouez aux jeux vidéo, faites ce que vous aimez, voilà, plein de choses, plein de bonnes choses. Allez, salut, bonne journée.